pétition contre l'investiture du gouvernement soumis noir proposition ya baï ke pe ba sousou ba député union sacré au ba monaki ke gouvernement est aussi penza lolenge salemaka te na bomesano kasinanga bonaye alobaki akosa la pétition pona kosenga bongo gouvernement wana ekota na mosala 5 mois après finalement tozui gouvernement soumis noir na ba frustre frustration et belé côté union sacrée ba réunion ba consultation les oko ba ko sale alors que le pays en guerre alors que problème socio-économique ezali au moins compliqué. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'union sacrée kuna na ngambo pe ensemble national tokolo belango omokona lelo bande kombo tepe boye bola mona face à l'opinion spécialement to embeli bino professeur Prince Willy Michi qui a sali député national Eli ya walika le mona mboka mbo tepe boye bola Mbote ndeko nomi, mbote pe ndeko denge, dai sengu mingi kupartaje plateau kitoko ya face à l'opinion. Matondo mingi mwana mboka na tango baninga baboyi investir ya gouvernement souminois parce que to si équilibre géopolitique te parce que baike ba se retrouver te batumosu bana ba député kolekadisme ba se retrouver na katite mwa ndungu ndungu mécontentement au sein de l'union sacrée yolobite il faut ba investir gouvernement wana ni nezo justifier des marches na yo. Bon, d'abord il faut koloba ke il faut tozali biso tozali ba député national bisonde bayi mboka oyo tosala ka mibeko ba poni biso misho na biso minene za misato kosala mibeko kosala pe control ya gestion na kosala kotala soki mibeko wana ezali kosala mamalamu misho msu tozala ngwe ezali misho ya kosala budget kesi budget autorité budgétaire azali biso me na oyo etali gouvernement ezali dispo prérogative constitutionnelle ya tata mukonti na premier ministre et même sur ma députée tous allez na régime ya séparation des pouvoirs où ils allaient principe sacré ya Montesquieu makambo ya gouvernement et sur ma députée biso musala na biso ils allaient qu'au contrôler gouvernement mais le gouvernement ils allaient émanation ya gouvernement ils allaient émanation ya majorité justement yango na ngina na tia sete c'est kawana beaucoup li konzi et lobby premier ministre Azali responsable devant le parlement président de la république était gouvernement et outil pas la majorité majorité ou il y a nani il y a Félix Tshisekedi non il y a une mkolo majorité oh nyoso biso nyoso to zawana plus de 95% va député national tomi réclamer ba tu as majorité à nyoso vision oh to zo adhérer non ya Tshisekedi c'est quoi mino visionnaire na bino mutati signati wana batu babadelo baba changer na uti wana na assemblée nationale toko mina 197 signature la pétition je crois que d'ici lobby toko le kabar il y a 250 donc plus de la moitié c'est pour dire que batu baye comment on après qu'on comprendre que mutu asignaki wana ce n'est pas je dit sominwa toluka ezali nde visionnaire na biso et puis il faut to peut ça pêche confiance na chef na biso okoki ko kolukate ko sala ba chantage très bien nazanga mo côté sur ce plateau to pesa maloba ndeko ko danzano azali bongo na ngamba lopoto mbote pe bogola mbote bonjour bienvenue professeur Willy Michiki un plaisir de vous retrouver après plusieurs mois on va dire mais moi j'avais juste posé une question sur le quota les principes étaient que 10 députés nationaux pour un ministère ça c'est j'ai le suivi d'Augustin Kabuya. Mais comment ça s'explique qu'il y ait un opposant qui n'a que 2 députés, surtout au gouvernement, pendant que ceux qui ont plus de 10 députés, tels que Lézer Tamboué, qui s'est même plaint, il a 13 députés nationaux, il n'a pas de ministère. Sur base de quoi, selon vous, le chef a-t-il choisi Constant Moutamba et au dépourvu de, au détriment plutôt de, voilà. De Lézer Tamboué? Voilà. Je peux. D'abord, il faut comprendre que, comme aucun parti au regroupement n'a. Et la majorité, suite à l'issue des élections organisées en 2023, il fallait désigner un informateur conformément à la Constitution, article 78 de la Constitution. Lorsque le chef de l'État a désigné les collègues honorables Kabuya Augustin,
comme informateur. Il a présenté un rapport. Mais le rapport là est apprécié par le chef. Ce que vous me dites là, du député, qui a dit ça, ce n'est pas le président de la République? Augustin Kabouya. C'est Augustin Kabouya qui a dit. Mais la décision revient à qui? D'ailleurs, lui ne devrait même pas le dire. Puisqu'il fallait laisser que les chefs de l'État le disent. Il a dit qu'il puisque les rapports étaient adressés au chef de l'État. Le chef de l'État n'a jamais dit, à moins que je défie quiconque, qui me donnerait la preuve là où le président Tshisekedi a dit que pour moi, j'ai reçu les rapports, je vais donner à chaque député, à chaque parti politique ou regroupement qui a dû députer un ministère. Non. Mais il a dit qu'il a dit, il a dit qu'il a. C'était une entente entre tous les regroupements politiques membres de l'Union Sacrée qu'il a consulté, et vous êtes parti sur le principe de 10 députés nationaux, un ministère. Alors, si le chef de l'État va au-delà de ce que vous vous êtes entendu au sein de l'Union Sacrée, n'est-ce pas un non-respect de la volonté populaire? Parce que vous êtes des représentants du peuple. Oui, non seulement représentants du peuple, je suis aussi chef d'un parti politique. Et je suis initiateur d'un regroupement politique qui est même représenté aujourd'hui au gouvernement par le professeur Moukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie. Nous avons été consultés comme tout le monde. Je peux vous rassurer ici que lorsque nous avons été consultés, c'est vrai, l'honorable Kabouya a parlé du principe selon lequel il y aurait du ministère pour et du député pour un ministère, ce qui a été même repris par la Première ministre, mais en matière de formation du gouvernement, les derniers mots reviennent au chef de l'État. Alors pourquoi alors il l'a dit? Pourquoi est-ce que Kabouya l'a dit si le chef de l'État est celui qui doit intervenir en dernier ressort? Qui a donné le pouvoir à Kabouya de vous donner cette assurance-là? Je ne donnerai pas la faute à l'honorable Kabouya. Il a parlé de son rapport. Mais l'erreur qu'il aurait commise, c'était de ne pas réserver la primaire au chef de l'État. Il a été désigné par le chef de l'État. Et ces rapports-là n'étaient pas destinés à la formatrice qui est la première ministre actuelle. Les rapports étaient désignés au chef de l'État. Mais le chef de l'État, c'est à lui d'apprécier. Puisque le chef de l'État a d'autres paramètres qu'il prend en compte. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Et vous savez quoi, Dan, je vais vous dire quelque chose. Oui. Moi, ça me fait très mal. On n'a jamais connu un président aussi ouvert que Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait lors de la révolution ici, lorsque FCC cache, la coalition est tombée. Le président a ouvert les bras à ses partenaires. MLC, AFDC, Alliés, CDR, tous ces gens-là, INC, le président était très ouvert. Mais qu'est-ce qu'on a donné au président? Les gens recommandaient leurs copines, leurs nièces, leurs enfants, et le résultat est là. Les pays par terre. Nous avons la guerre. Vous pensez que... Ils ont été incapables. Alors, le chef de l'État, puisque nous avons adhéré à sa vision, il a dit qu'il a estimé que ce principe-là de faire plaisir aux gens qui demandent, puisque et moi, j'ai compatis avec le président, et j'ai même pitié pour lui, je m'excuse. Il nomme les gens sur base de CV, mais les gens nommés servent les gens qui les représentent auprès du chef de l'État. Ils deviennent comme leurs garçons de course, leurs filles de course. Au lieu de servir la République, ils servent les députés. Alors le président a dit, puisque vous avez adhéré à ma vision, nous sommes dans la même famille politique, faites-moi confiance. Même si sur votre liste, vous n'avez pas proposé quelqu'un, moi je peux regarder qui a la compétence, puisqu'il a une vision, il a ses 6 actes prioritaires, il a besoin de femmes et hommes, il avait dit, il a même tendu la main à l'opposition. C'est dans ce cadre-là qu'il a offert le ministère clé, puisque on reproche à notre gouvernement de ne pas être à la hauteur de préserver les droits de l'homme. De ne pas privilégier la justice. Mais là, il dit, mais vous qui me critiquiez demain, hier,
l'opposition, je vous offre le ministère de la Justice. N'est-ce pas là qu'on crée frustration dans le cas de l'Union sacrée, puisque l'Obi, Tata Mokambeko, la Ebi, presque Makambobele, l'Obi, surtout son maîtrisé, tant que, par exemple, Bande Kouamani, Maba s'est retrouvé dans le cas de gouvernement, je pense, le grand Bandundu, n'a deux ministères, il y a Pamba, selon Batebele, une partie, il y a un ministère et qui na région Mokoboué, n'est-ce pas là Kokeye, Mokaboani. Oh, Bazoloba, Eva Lokuta. Ngaï Mouna Fale, Tozana 54. 54 membres du gouvernement. Tozali na 26 provinces. Soko Tali, Lelo, Toko Zalana, maximum, je peux dire, autour de 2 ministères par province. Mais ce n'est pas seulement par province. Tout autant la paix, compétence, par rapport à la compétence, compétence, compétence. Mais le problème, c'est d'abord que tu as la manière, il fallait que tu aies un espace linguistique, un espace géographique. Les lois, tu as compatible avec la manière. Ceux qui m'ont dit, tu as un nord qui vous. Ceux qui m'ont dit, tu as un manière, attendez qu'on engage. Tu as dit, les grands qui vous. Le chef de l'État a réfléchi dans ce sens-là, de grands espaces. Atali les grands Katanga. Même pas dans Bangoute, on parle au Tangi Banan. Tala na Kasai Lelo. Est-ce que Webi qui est Kasai et à Chikap, il n'y a que 2 membres au gouvernement? Est-ce que Webi pas dans le président Yemoko? Bisoku Tutolekiye. Kasai Oriental. Donc c'est pour dire que Waneza Makelele à Wenze. Les gens, les réseaux sociaux, Kinshasa Awa, c'est une province, non? Kinshasa d'ailleurs, c'est la province la plus peuplée, près de 15 millions d'habitants. Kinshasa Azata la ministre de mon côté. Est-ce que c'est normal? C'est une injustice aussi. Togo le bango. Est-ce que Monique Bakino va terminer la balabala? Yango te lobi boye. Puisque yende mukonzi na biso. Et puis ceux qui ont na gouvernement, à côté on a cabinet naïe, on a la rang ministre, à côté sur l'entreprise publique, on peut même vous confier d'autres fonctions dans l'institution internationale ou même l'équipe ministère. To pesa mukonzi. Et loko biso to boye. Et c'est l'un des chantages. Tout le monde a des informations. Tout le monde a été fait. Quand on a dit que tu as dit, on a dit que tu as dit nos primaires et informations. Quand on a dit que tu as dit que 80% de mes conseillers à M23 n'ont pas dit. 60% de mes conseillers à l'Alliance. C'est pas Congolais, non? Tu as dit que tu as dit que tu as dit que M23 sont des Congolais. Oui, non. Il y en a des Congolais. Il y en a aussi des Rwandais, naba Ougandais, naba Kenya, naba Kenya. Naba Inventor, il y a tout. Naba Somalie, naba Komi Kuna, naba Oki. Mais, les lots, oyo, ba information, tout ça, naba famille, ba loto, naba Kenya. Bangonde, ba Zali, les lots, ko instrumentalise, ba collègue, na biso mousos. M23. Oui, na Alliance Fleuve Congo, pona Koloba, bolima, on a te, tse kenya mone, na pe si mino ningi sa moko. Pour vous dire que, namboka oyo, tozali, naba homme d'État. Président et Assemblée nationale, deuxième institution du pays, en termes de préséance, après président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Je le cite Vital Kamer. En parti na INC, Oyoboyebi, a peine à recommander M. Souba, AVK et tout, et comme ça. Il a presque 33-34 députés nationaux. Mais l'éloyo Vital Kamer, avec la ministre de mon corps. Des collègues qui n'ont pas... Aimé Bouji. Non, Aimé Bouji. Aimé Bouji, c'est pas la été. Molendo. Ça combi Molendo, n'est le seul ministre. Est-ce que Oyoki INC et Salim Makelele? Apparemment, est-ce que Oyoki Vital Kamer n'a pas dit n'ingita? Selon l'information, puisque c'est présenté même pas dans la réunion, il y a un règlement politique. Mais non, il était représenté, il était représenté par Billy Kambale, etc. Au moins, il y a comme une charge, il y a comment ça a été que tous les session parlementaire au Yabiso et que Misa les a ébélé, la dernière minute, le rapport, aux outils en place, le groupe parlementaire, la commission, il était occupé. Même le président Batiaki, ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, il arrive qu'à cause de la thème, mais il était valablement représenté par son tout-puissant secrétaire général, Billy Kamba. Est-ce que si on invite l'État à protester? Non, c'est la cadre à confier. Il faut tout mettre en paix confiance. Azan a confiance, c'est Moninga Nae, chef Nabiso, visionnaire Nabiso. Alors, non, chef Aye, il y a ça. Puisqu'il ne faut pas seulement qu'il y ait de la Kawana. Ou bien qu'il y ait. Non, on peut même être représenté. Attends, tu as parti Nayote.
Même IDP, c'est les lots. Même IDP, Nasa Sur, ceux qui ont tourné la Pembeni, CG Kabouya, on a perdu les armes tout le monde. Mais puisque ça, mon conseil, la frustration est là. Frustration est athée. Il y a des visionnaires, vision, kaka oyo, toi, Deraki Nango. Depuis, il y a FCC, Kache Kouya qui, des visions kawana. Moto a longue la vision wana. Donc, attends, on a bisoté. Il y a une pétition, tu lobby que, puisque tout le monde est comme on a que, battu Alliance Fleuve Congo, bah M23, comme on a dit, qu'on a instrumentalisé, battu FCC, Oya Kabila, bah comme il a instrumentalisé, ah, mon élébino, dit, il y a un des chefs, on a biso, chef a commandé l'onde, il y a un des chefs, on a Christian Bostembiaza, moutou awa. Il y a séparation de pouvoir. Le chef de l'État n'est pas le chef du corps législatif. Non, non. Il est chef de l'exécutif. Justement. Mais la formation du gouvernement est une compétence exclusive du président de la République et de son premier ministre. L'UDPS, ça, c'est la Constitution. Le chef de l'État est un indépendant. La majorité, c'est la majorité du chef de l'État. Le chef de l'État est un indépendant. Il a postulé comme indépendant. Voilà. Donc, il n'a pas de majorité parlementaire en tant que tel à l'Assemblée nationale. Donc, je l'avais déjà dit, j'ai même développé que même l'Union sacrée ne devrait pas présenter un ticket. Puisque aucun député, aucun collègue n'a été élu sur le ticket de l'Union sacrée. C'est notre fait privé. Mais nous-mêmes, majorité, l'ensemble de partis politiques et regroupements ayant gagné, ayant construit la majorité, nous nous réclamons de l'ASBL. Union sacrée. Est-ce que savez-vous même que l'Union sacrée n'est même pas enregistrée au ministère de l'Intérieur? L'Union sacrée n'a même pas de personnalité juridique. Mais nous, par notre volonté, nous avons dit, nous pouvons aussi avoir notre ASBL, notre association, comme vous pouvez être dans les partis X, Y, mais vous avez votre mutuelle. Banakine, les Bambole, les Bakonjo. donc Ndenge Bolingi, Ndewana Ezali, Asbel Nabiso. Mais Asbel Nabiso, wana, Eza cadre et organisation politique. Mais jamais qu'on revient. Mais visionnaire, Asbel, wana, c'est qu'il y a Mokokotu, Mokolo Asbel, même avec candidate Yango. Mais, Tolobi, puisque nous nous reconnaissons tous, en Félix, c'est ce qu'il dit, Chilombo, donc, tu peux faire confiance, Tolobi, non, Ndeko Nabiso. Chef Nabiso, aebi efika azoko mabiso. Yango wana, babiso na baninga nanga mtusu. To se revolta ki tolbi, non, non, non. To kopesa munguna nzelate. Yo, ozali Nabiso, signe pétition. Yango mouni to initié signature wana ya pétition. Et je peux vous confirmer aujourd'hui, avec certitude, que les gouvernements souminois, Touluka, sera investi avec une large majorité le 15 juin, puisque les députés l'ont prouvé, et j'ai dit ici que c'est le chef ne se trompe pas, le chef ne peut pas frustrer, c'est la stratégie du chef, on ne la comprenait pas, nous l'avons comprise, et nous nous rangeons derrière. Mais on n'a pas de chef, on n'a qu'un seul chef. Et si quand Félix on a moi l'amboka, Willy Michi, qui n'a opinion, nous avons demandé si les députés ont aussi un monstre, ils ont investi le gouvernement soumis. Est-ce que vous confirmez l'information? Mais justement, tu as dit que la pétition est en bango, mais tu as anticipé. Tu as dit, ok, Mouto a dit qu'on participe à l'investir, ça va. Porte ya. Il y a Alliance Fleuve Congo, elle est ouverte. Bah ouais, kende kuna. Oh balingi na ba M23 bah kende. Mais biso tu biyango na bande ko baye angouma terrible. Angouma dans 2 jours. Tu comme 1993 signatifs. 2 jours. Donc pour vous dire que Ezaki m'a évidemment appelé pour forcer ma collecte. Tu expliquer bango tu le bine. Vision et cela qui est au gagner par élection. En tout cas ngai soki na za député les non. Ezali pona politique à Tshisekedi. En tout cas, fermeté naïe vis-à-vis ya Rwanda, vision naïe pour la Congo ya lobby, et ça, que ngai moutou première fois, n'a la élite député national. Pour avoir coordonné la campagne naïe. Nazo bête la campagne naïe, nabi, ah, nga moutou yango, boko pona, mais a bête nga makazi, yako mena 92% et pas langa. Oui, nga 92%, nga ma 47. Vous avez été aussi ministre. Mais avec qui quand même? Vous avez été ministre aussi à l'époque de Joseph Kabila, au ministère de l'énergie. Vous avez été là, Kabila aussi n'avait pas de majorité parlementaire avec le PPRD à l'époque. Est-ce que
à l'époque, vous, en tant que ministre de l'énergie, et même en tant qu'acteur politique, est-ce que vous avez remarqué aussi les mêmes problèmes dans la formation du gouvernement par le président Kabila? Oui, bon, ce n'était pas aussi maintenant, parce que le président Kabila, il faut dire d'abord une chose, qu'il n'était pas impliqué même dans la formation du gouvernement. Il y avait même des ministres que Kabila ne connaissait pas. C'était des collaborateurs qu'il faut. Moi-même, je vous dis, par exemple, je ne vous cache pas, parce que nous sommes des hommes d'État, il faut parler d'histoire. Moi, si je suis devenu ministre même de Kabila, je n'ai jamais vu Kabila avant de ministre. Bon, je l'ai vu en public comme ça, mais pas de deal. C'était John Numbi, c'était Némi qui nous gérait. C'est tout. Et même au gouvernement, quand on est venu devenir ministre, les chefs de l'État ne venaient même pas au conseil des ministres. On a tenu seulement un seul conseil des ministres. Un seul. Kabila était dans ces histoires. Même si vous voulez quelque chose, vous ne voyez même pas le président. Ce n'est pas comme aujourd'hui, même je ne suis pas ministre, je peux approcher le chef de l'État, je peux l'appeler. Donc, Kabila était ailleurs. Ce n'était pas son affaire à lui. Mais comment ça se fait Et c'est comme ça que les choses n'ont pas marché, puisqu'il est contre. Mais par contre, Félix Tshisekedi, qui a vécu à l'opposition, qui a un bilan, qui a même peur, puisque vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas... se valer la force. Mais aujourd'hui, quand ça n'ira pas demain, ça ne sera pas Michiki, ça ne sera pas Bati, et je ne sais pas qui, Mbosso, ou bien Kamere, ça sera le bilan de Tshisekedi. Il doit en être conscient. Tshisekedi ne doit pas faire les erreurs de Kabila, de Mobutu. Tous les Mobutistes sont revenus chez Kabila. Tous les Kabilistes, la majorité, sont revenus chez Tshisekedi. Il ne faudrait pas que tous les Tshisekedistes d'aujourd'hui, que nous sommes, nous revenions chez un autre. Il doit s'assumer. C'est comme ça que le président Félix, compte tenu de l'expérience qu'il a passée en opposition, il veille. Je n'ai jamais vu un président qui, chaque fois qu'il est là, il préside le conseil des ministres. Moi, je vous donne l'exemple. J'étais ministre de Kabila. Un seul conseil des ministres. Il était dans ses motos, Kabila, dans ses histoires-là, qu'il n'a pas fait. Il a occupé Maramoté, il laissait au collaborateur. Sous ma tête, on a toujours qui 36 ministres, na moindre, na tant au moukié, et puis il y a qui gouvernement oui. Très efficace. Il y a un problème, mais 36 ministres, parce qu'il n'y a pas de maman. Et là, comme côté, bancarisation, il y a un matata. C'était du bluff. D'ailleurs, il y a dénoncé Kiango, c'est le professeur Mokoko Samba, qui était ministre au budget, VPM. Il y a dénoncé, il y a dit non, oh, bah, ça, là, où il y a le quota. Et après, tout le monde est là. Tout ce qu'on a, ma performance, nous sommes là. Les lots sont bons. Dollarisation. Donc, c'est du bluff. Pourquoi? Puisque ils ont profité d'un président faible. Je suis désolé, en tout cas. Tu sais qu'il dit, et Kabila était un président faible. Puisque, Azali, la bonne foi. Sous Kabila, vous avez connu gouvernement Ebimi, si ma majorité, Bazosala, oh, Bino Lolo, Bazosala. Yango na zolo baboye. Oyo moni lelo, est-ce que au côté ta ministre moko ou collaborateur moko kak ya Kabila ou ya kenaka na prison mouibe banda lelo te mouibe e banda depuis indépendance mais na tiseke même si ba oyo bako bima mais au moins au salim beba bakangiyo proche oyo benda pire moutou à Félix ton di makape ton di makape quand même yope au moins quand même yope yo zana mouista na yo aux journalistes. Mais quelles sont les failles que vous constatez dans le chef du président Tshisekedi actuellement, que si vous deviez lui porter des conseils, ça serait lesquels pendant cette période-ci? D'abord, il faut dire d'abord que le président Tshisekedi, avec le peu de temps qu'il a passé au pouvoir, il apprend vite. On sent qu'il est entré d'améliorer davantage. D'abord, on commence par les collaborateurs. Quand il est venu aux affaires, c'était normal. Il avait un clic d'amis qui connaissait, des amis en Belgique, ici. Mm. Oh, bah, ça va qu'on l'a naïe. C'est normal. Il leur a fait confiance. Il a fait confiance à la diaspora. J'ai dit aujourd'hui que la diaspora a causé beaucoup de tort. Le président Félix a ouvert. Il dit, vous avez appris des choses à l'étranger. Nous disons toujours que les bonnes choses viennent de l'Occident. Ou de l'Orient. Mais quand la diaspora, quel a été le comportement de la diaspora ici, jusqu'aujourd'hui? Et quand le chef a compris ça, il a tendu la main à d'autres compatriotes. Il a fait le mélange. Et le mélange nous a donné là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'ai dit que l'avantage chez le chef de l'État actuel, c'est qu'il ne fait qu'améliorer.
Et même ce qui s'est passé là, pourquoi les services de la présidence n'ont pas dit au chef de l'État, puisque le directeur de cabinet est là, il a tout un cabinet. Ils ont vu quand même la liste, ils pouvaient dire, ah non, il n'y a pas le Maniema. Je ne crois pas, le chef de l'État aime beaucoup le Maniema. Il a été bien accueilli au Maniema, il a été bien élu au Maniema. Mais puisque les services ont, par erreur, oublié de signaler le nom, en tout cas, je suis sûr que si on avait fait le service de la présidence ou des services de renseignement, parce qu'en principe, tous les ministres doivent passer au scrutin, comme on appelle en anglais, scrutin. Donc, on doit les scruter. Quels est son passé? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Un ministre, c'est une fonction quand même d'honneur. Les services devraient dire non au président. On n'a pas vu telle province comme Maniema. Même si le Maniema est dans les grands qui vont. Ça, ce n'est pas la faute du chef. La faute du chef. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir, aujourd'hui, permettre au chef pas de bloquer son gouvernement. Non, non, non. La signature du chef ne peut pas être mise en cause. On doit aujourd'hui demander au chef, ok, merci chef, ce n'est pas votre faute, c'est nous, vos collaborateurs, qui vous ont induit en erreur. Et lorsque le chef aura l'occasion, dans 6 mois, peut-être, il peut retoucher le gouvernement et faire la motion. Il peut aujourd'hui faire des compensations, parce que c'est lui le chef. Ceux qui n'ont pas été servis au gouvernement peuvent aussi l'être ailleurs. Mais ce n'est pas des cadeaux, mais il faut en plus apporter des compétences. Si moi, par exemple, Willy Michik, je suis du Nord Kivu, si on pouvait trouver toutes les compétences dans les mains d'Ombe, moi, je ne me prendrais pas d'avoir un gouvernement composé à 80% par les gens de mains d'Ombe. Si c'est pour servir le pays, puisque ce n'est pas dire que ça ne durera pas, ça ne durera pas la constitution. Et vous allez voir que les gens qui sont agités aujourd'hui, je l'ai dit, chez nous au Parlement, sont des anciens ministres comme moi. Ils croient qu'ils vont rester tellement. Mais je l'ai dit, je vous dis. Des anciens mandataires, ils croient qu'il n'y a pas d'autres. Non. Quand je vois cette équipe gouvernementale, je dis bravo. Il y a des nouvelles figures. 54 membres, il y a gouvernement, 18 femmes, 24 reconduits. Est-ce un gouvernement, ils ont tali sa penza changement, puisque tout ça, la période, il y a crise. Et bien, surtout opposition, il y a gouvernement moko budgétivore, puisque on n'a pas d'argent pour prendre en charge tous ces ministres, encore oui, que Batié 6 vice-primature. Pourquoi? Maman, oui, bien d'abord, Awa. Je m'en retourne au 54, je suis là. Ah, tout ça, biso wikina, même au la province, il y a un territoire, il y a Bagata, il y a Idiof. Il n'y a jamais satisfaire Batunyo Sote. Et puis, s'il faut même un gouvernement, il y a 80, 60 personnes, pour la Kimia Ezala, et vous habitez là, il y a 54, malgré les amis, 54, on attend de comment tu sais qu'il y a daté. N'a défié bino talaka combo moko ya cousin cousine frère et sœur ya noko ya adate. Ce sont des congolais et congolais, mais épaisse déjà problème et vali koloba boyeke. Ce n'est pas question à budgétivore mboko za munene toko za ta na gouvernement ta 70, ça ne change rien, mais forcément qu'on diminue train de vie ya ba institution. Parce que beaucoup d'attendent à 10 ministres, mais qui coûtent le prix des 100. Mais déjà, le Kasaï, la région du Kasaï, c'est parmi les régions qui ont bénéficié de beaucoup de ministères. Est-ce que ça ne viole pas l'esprit de la Constitution qui voudrait que les provinces puissent être représentées dans ce gouvernement? Est-ce que ça ne viole pas la Constitution? Bon, d'abord, il faut qu'on le bat vérité. Ce qu'on talie les lois, hein? Je peux vous dire, parce que j'ai fait le calcul moi-même. Baron Bazaki nommé d'une manière discrétionnelle par les chefs de l'État, il n'y a qu'un seul Kassaïen. Et en plus, ce Kassaïen-là est de l'IDPS. Est-ce que vous avez dit que na calcul de Salawana, IDPS et Mosaïque, ben à 150 députés. Oh, bah, les airs, il y a Moïse, Mosaïque et IDPS. N'est pas Peter Kazadi, non? Et c'est Félix Tshisekedi, Moutou, à accompagner Bango. Rien que quand Bango en a 150, il y a déjà 15 députés. 15 ministres. Si les 54 étaient combien? Presque 39. T'as ce que le reste est en Bokanyo Soana. Donc, mais
ce que moni les lois t'as la même là bas élu à wa ville à Kinshasa bah quand ça y va faire la catin n'a pas province même na Équateur qu'on a sénateur à Équateur Jonas Mukamba Équateur. C'est pour vous dire que ça, moi, ça ne me surprendrait pas de voir que les gens de l'Équateur, de l'île de Kasaï, soient un peu plus nombreux. Et puis, c'est quel nombre? Je vais vous citer, parlons des chiffres. Kasaï, il n'y a que deux ministres. L'espace Kasaï. Non, je dis d'abord, parce que ce sont des provinces. Oui. Bon, même si on parle de tout l'espace. Oui. Tout l'espace Kasaï, je crois, arrive à peu près à quelque chose comme 12. 12. Nous déjà, espace Grand Kivu, nous sommes 8. Sans Maniema, hein, parce que vous dites Maniema, 8. Si vous prenez aujourd'hui l'espace oriental, donc en réalité, sincèrement, en réalité, Lélo, le problème, moi je peux être du Nord Kivu. Je propose que quelqu'un de Kasaï. Ce qui était même le cas. Je vous donne le cas. Action pour l'unité nationale. Son initiateur, c'est moi avec RDI qui est devenu AIN. Notre coordonnateur délégué est Katangé, honorable Mpanga Walukalaba. Mais notre candidat, c'est un des Nekongo, professeur Mukoko Samba Daniel, puisque nous avons trouvé en lui deux valeurs. On va le reprocher, puisque regroupement aux Baswahili, puisque AIN c'est Baswahili, non? Bisso Baswahili, Bakatangé na Norki, de tout ça, Lango. C'est pas ça le cas. Ce sont des cas qui se sont passés. Il y a des regroupements de Kivu, de Kivusiens, dirigeants Kivutiens ou Katangé, mais qui proposent des Kasaïens. Donc, il ne faut pas tout que Nabassé soit là. Moi, je voudrais qu'on fasse un débat. Est-ce que les gens qu'on a proposés sont-ils valables ou pas? C'est ça le vrai débat. C'est la question que Nangala a posée sur casting. Baéo, Bazongi, Nabaéo, Bakotisi, Bango, puisque ils ont abattu mon sous, ba permité Bango, Ndeko Jean-Pierre Bemba, outil défense, Batindien na transport, Bandeko mon sous, Ndeko Didier Boudibou, Batindien na sport, ba permité, ba sous, Bakotisi, ba sous, est-ce bilongiwana, est-ce ba compétence ouana, et que y a quand même changement. D'abord, Motoyo, Asala Kanabango, et Visa Félix Tshisekedi, Ndemo Kozina Bango. Je donne le cas à Jean-Pierre Bemba. Les gens parlaient beaucoup. Est-ce que Jean-Pierre faut toujours dans l'armée? Jean-Pierre Bemba, d'abord, il est moko avant ancien rebelle. Jean-Pierre Bemba, c'est un dirigeant. Oyo, beaucoup de gens, balinga écoute, baluba. Ah non, moni a été au bon moment. Le président le préserve. Arubin a été vraiment. Tala awa bambouteja Kinshasa. Oui, mais qui est le secteur des transports. C'est l'un des grands secteurs dans ce pays. Est-ce que, puisque ça allait bien, si on a dit que nous avons traité cet homme, nous sommes tous échoués. Non. D'abord, spécialité à Jean-Pierre Bemba, il y a secteur économique et financier, des domaines. À Tanga, Bilokoana, la Belgique, na échec. Armée, spécialité. À combien de points, il y a chef de guerre, il y a combien. Mais, ce qui est le temps, il y a un peu de temps, il y a un ministre Azakiwana, Batubazoz Wakaba, Baville Zokoya. Habi, n'a même qu'à nous tous solution naïe. Mais c'est dans la confiance naïe. Est-ce que transport paye dans ma bé? Ndeko Boudimbo, c'est un jeune, il a mon cas bouillant, tout ça, jeune. Est-ce que dans le sport, vous avez bloqué la jeune? Il y a pas sport. Est-ce que à cause de la moussala, madame Kounate, collègue à hydrocarbure? Ndeko Molendo, c'était parmi les meilleurs ministres. Où il a stabilisé le secteur, il y a gestion immobilière. Pourquoi ne pas lui donner un secteur vital, puisque les lots, tous en bas, bloc pétrolier, tous en bas, mais on parle toujours de mini-mini. Depuis, bah, ça l'appel d'offres, n'a aucun ta projet, mon côté est bandit à exploration pétrolière. Abimbo, Ndeko Molendo, Ndengo Salakina, immobilier, il n'y a pas. Il faut te faire confiance. Il y a un des visionnaires. Le casting. Ceux qui peuvent s'imiter. Par quoi orienter pays comme ça? Jean-Lucien Boussa, éternel ministre qui se retrouve na oui, mais Jean-Lucien Boussa, d'abord, c'est quelqu'un qui a l'air. Moi, j'ai travaillé avec lui, en tout cas, pas comme. Il est tellement compétent qu'il voit que c'est un très bon économiste. On a trouvé, Mamonique, secteur, il y a portefeuille. On a dit ici, parce que l'élo, par exemple, on a commis la réflexion, Moko. En tout cas, on dirait que papa Félix Tshisekedi, présent, à Sonda Kingaï, on a le bakaboye. Et puis, ça a Kanda Makas. Talamboka au Tozanango, budget à 15 milliards à peu près.
Mais Namboko, tu as une entreprise, quand Moko, il y a pas privé, KCC, capital social, Naye, Awana Congo, 15 milliards. Comment expliquer ça? Tant que Fungurume, 5 milliards. Sikomine, 7 milliards. Mais Awa Tozali n'a plus de 60 entreprises de l'État. Mais ils ont contribué à 10% de budget à l'État. Même pas 1,5 milliard. Alors, président Lobby, on a pris un économiste. Attends là, pourquoi ces entreprises-là ne sont pas rentables? Et Ndenge n'a pas déjà laissé à procéder à la réforme. Pour Nangaï, par exemple, Nangaï, il faut que ça, la privatisation et la gestion. Pourquoi on peut s'aventurer dans le camine dans l'État? L'État, c'est un mauvais gestionnaire. Tout le monde a vu que la modération de Mouké, quand c'est à développer le Jekamine, 10 fois. Si la commune est chinoise, elle a vu que la Jekamine, nous sommes les acquis de la Jekamine. Alors, pour Nangaï, il faut qu'abolir l'État commerçant. Et Jean Lissier, qui est un bon économiste, a compris ça, ma proposition, et pas tout à mon compte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de côté, puisque il a fait ses preuves, et puis, il n'y a pas de côté, depuis qu'il n'y a pas de Russie et Katana, ministre des Affaires étrangères, à Dakakawan, aucun à Rwanda, puisque, a comme une expérience, non? Et ce soir, dans le ministère, il y a un ce n'est pas mauvais. Prenons un secteur. Puisque quand change la personne, on a une expérience. Mais comme le seul pays, Mboka Moko na monde, Oyo, Okoko Sala, 2500 km par route, pour Biloko Yanamboko. Naba Mboka Nyoso, ils ont soit train, bateau. En tout cas, c'est le seul pays, na défié, Biloko Sala, ba recherche. Pays Oyo, Biloko Koya, en exportation, par route, plus de 2500 km dans le Congo. C'est impossible. Même rentabilité, vous savez, camions, carburant, ma foutre, il y a un biloko qui est cher. Ou tu as biloko na pour la dirba, pour la dombachi. Biloko, ou tu as na awakaka na matadit, c'est cher. Et ou tu as na pour la Dar es Salaam, et pas dans Ngaï, par exemple, na Nord Kivu. Tu as produit le coltan na biso. Tu as exporté en go na poto. De Walikale jusqu'à Mombasa, 1887 km. Gagner le continent, le commodité. Bon, gagner rien que quand ma coûte la production et comme il va 40%, c'est manque à gagner pour ne pas transporter les athées. Alors, de ce mimbo, de que Jean-Pierre, il y a autant à l'eau qu'il échec. Échec, c'est parmi les meilleures écoles pour la comptabilité, économie, finance. Vraiment, c'est la classe en Belgique. Vous entendez, échec là où les Tony Chic ou quand on étudie et de Olivier et Kamitat, même si à Bonga Kona, mais ce sont une très bonne école qui a une référence. Donc, bon, monsieur, papa, Yofiko, Tanga, Bilokwana, Yaka, Bonga, c'est le transport au Congo. Parlons du secteur. Président Lobby, m'a bête. Parlons du secteur de la justice qui dénoncée plusieurs fois par le président comme étant un secteur qui ne marche pas, un secteur qui ne permet pas au pays de décoller. La justice est malade. Mais cette justice, on l'a confiée à un opposant, bien qu'il est juriste. Quelle est votre réaction par rapport? D'abord, en tout cas, le chef de l'État, vraiment, c'est un génie. Quand j'ai suivi la campagne de l'excellence, il n'est plus mon collègue, il est maintenant ministre, même si je ne l'ai pas encore investi, puisqu'il faut dire aussi qu'on devient excellence après investir, donc il est encore député. L'honorable Constant, pendant sa campagne, il n'a pas cessé de s'attaquer à la justice congolaise. Je me rappelle même, il est allé même plus loin, même à remettre, en dit que nous sommes des Africains, on a des valeurs, on ne peut pas tolérer ici l'homosexualité, tout. Il est allé plus loin. Alors le président, puisqu'il a même attaqué même le président, qui serait
à la base d'instrumentaliser la justice. Lui-même est Mutamba. Mutamba. Honorable Mutamba. Alors le président dit, toi qui m'avais critiqué, je vous ai écouté, je vous ai suivi comme candidat président. Mm-hmm. Appliquez ce que vous avez dit. Attirez preuve. Les réformes. Mais, je vous donne ce ministre. Je vous dis. Mm-hmm. Maintenant, puisqu'il avait tendu la main, il avait dit. Là, il avait dit, je vais travailler avec l'opposition. Il a donné ce ministère à l'opposition. Il y a même la société civile, je vous apprends ici, qui est même dedans, dans ce ministère. Donc, le chef de l'État est allé au-delà de tout soupçon pour qu'on ne dise pas qu'il veut prendre le pays en otage. Plusieurs fois, le chef de l'État a accepté des propositions de ses partenaires. Mais tous ces gens qui sont en prison, ils sont mandataires. Vous avez constaté que c'était des voleurs qu'on lui a portés. On a mené des dossiers des gens, comme on appelle chez nous, en Swahili Kibamba, de Moutonoua Kop. Le président gentil, correct qu'il est, il ne voulait pas des conflits. Maintenant, aujourd'hui, il dit non. Plus question la justice de m'amener secteur, vos gens ici. C'est un secteur vital. Moi, j'épuise là-bas, selon ce que. Parce que nous connaissons, non? Le mandat du président repose aussi sur la réussite de la justice. Quand il confie ce secteur-là à un opposant, s'il échouait, est-ce que il y aura corrélation entre ce qu'il dit, il veut réussir, et il confie ces ministères-là à un opposant, s'il échoue, justement, y aura-t-il contradiction à ce qu'il a dit? Parce que et là, c'est vraiment, en tout cas, le chef de l'État est resté cohérent. Dans ce sens que lui-même, oui. Lui-même, le premier magistrat, se plaignait de la distribution de la justice dans son pays. Plusieurs fois, il est revenu sur ça. Alors, puisqu'il était aussi critiqué par l'opposition, il dit, puisque moi, les gens qui sont avec moi ne m'ont pas donné satisfaction. Alors, vous, vous rappelez, la ministre de la Justice, qui était candidate sénatrice, elle aimait un cas de figure qui m'a révolté moi-même. Je ne suis pas entré, je n'ai rien contre elle. La ministre sortante, elle signe un certificat de nationalité pour Madame Bougouge, candidate sénatrice. Et après, elle revient, puisqu'il fallait aller en contestation électorale, elle remet en cause la nationalité de l'honorable Mbougouge, puisqu'elle devient candidate. C'est honteux. Ça fait la honte de la justice. Ça fait encore une dame. S'il vous plaît, une dame. Alors le chef de l'État a dit non. Puisque vous, l'opposition, je vous donne raison de m'avoir critiqué moi. Alors, puisque vous avez un bon plan, vous avez des idées que je partage, puisque tout ce qui nous réunit, c'est le Congo. C'est l'échec, le bilan aussi. Alors, il donne à l'opposition. L'échec de l'opposition, ou ça sera ton échec? Le bilan, le mauvais bilan. Non, le bilan, c'est le chef de l'État, puisque c'est lui qui décide. C'est lui qui a signé. C'est lui qui dit que j'ai trouvé en vous des compétences, des idées, capables de réformer le secteur de la justice. Et comme Mutamba n'a même pas 35 ans, c'est un jeune bouillant, un jeune courageux. Et le chef veut ce genre de ministre. Et puis, pour qu'il ne souffre pas de complexes vis-à-vis des autres collègues, on lui a collé le Mineta. Il est ministre d'État. Maintenant, aujourd'hui, quand ça va échouer demain, c'est vrai qu'il échoue, c'est le gouvernement échoué, c'est ce qu'il dit. C'est Judith Souminois. Mais au moins, l'opinion retiendra que le chef de l'État a tendu réellement la main à l'opposition en leur confiant l'un des ministères clés de son régime. Les opposants aussi, aujourd'hui, devraient se liguer autour de Mutamba. Autant que nous l'avons fait au bureau de l'Assemblée nationale, en donnant à l'opposition le poste de rapporteur adjoint, qui est dirigé par la collègue et Monongo, autant que le chef de l'État, si vous dit, le ministère qui pose problème, on dit, ah non, ce qu'il dit, Akangi, bah, opposa, boy, ce qu'il dit, Sari, boy, ah, ou ça, juste. Maintenant, le bimbo, au ministère, il y a bien une opposition. C'est symbolique. Sincèrement, même Napoto, na Monangote, même Napoto, na démocratie, ça, la Makate,
On pouvait lui donner un ministère à Mbongo et à l'autre comme ça. Après ce ministère à problème à Bimbo, yo kanga biso. C'est ça, non, Abis, non? Constant Mutamba, kanga biso. Puisque que... le ministre de la Justice a un pouvoir sur le ministère public. Vous savez, quand on poursuit, le ministère public poursuit en charge à décharge, il a le pouvoir d'injonction. Mutamba peut dire du procureur général ouvre une action contre Willy Michik. Akufungulango, parce que c'est le droit d'injonction. Il a ce pouvoir. Alors, après, si on est opposant, il est extraterrestre. Et c'est comme ça que le président aujourd'hui même, il a même des gens qui ne l'apprécient pas dans son parti. Il dépêche. Parce que, après, on comprend qu'il y a tout le pouvoir dans Banguna. Or, lui n'est plus à ce niveau-là. C'est un Lumumba. C'est un Kimbangu. Simon Kimbangu réincarné. C'est un Tien Tshisekedi réincarné. L'UDP, ça a lutté 37 ans. Ils sont maintenant au pouvoir. Mais dans la gestion, ils ne gèrent pas seuls. Ça sera le bilan de l'UDPS, seul, ou vous allez le partager? Non, le bilan d'abord ici, il faut dire que le bilan, c'est la majorité, nous. Mais ça, en premier pas l'UDPS. Ce n'est même pas l'UDPS, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a les bateaux de commandement. C'est pourquoi aujourd'hui, moi sincèrement, je n'ai pas douté du chef de l'État quand tu poses des actes. Puisque quand ça va barder demain, ça veut toujours que l'échec est orphelin. La réussite est collective. Comme vous le faites pour Kabila aujourd'hui. Donc, Kabila aujourd'hui, moi j'étais ministre de Kabila aussi. Vous ne connaissez pas. Mais c'est lui qui portait, c'est lui qui dirigeait tout. Je donne l'exemple, je l'ai dit. Il est responsable de tout. Je dis, c'est pourquoi aujourd'hui, acceptons, comprenons qu'aujourd'hui, c'est le dernier mandat du chef de l'État sur le plan constitutionnel. On est sur une bonne pente avec le président Tshisekedi. D'après vos analyses, vous avez été au gouvernement. Vous êtes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Très, très à l'aise comme député national. Très à l'aise. Je parle librement. Je ne suis pas nommé. Je suis élu. Il n'y a que Dieu et mes électeurs. Mm-hmm. À qui? Oui, je respecte le président de la République. C'est mon chef. Mais j'ai des comptes à rendre à mes électeurs de Walikal. J'ai des comptes à rendre à Dieu qui m'a choisi parmi les 24 500 candidats. C'est pourquoi moi j'ai dit à mes collègues, mon combat à moi, dans... pour les 4 ans et demi qui restent, c'est le combat contre les antivalets. Parce que j'ai fini par comprendre, Dan, que le vrai problème de ce pays, c'est l'Assemblée nationale. Comment ça? Si ce pays ne marche pas, c'est nous les députés. Parce que chez moi, nous sommes 800 000 Congolais. Les 800 000 Walikaliens, Walikaliennes ont porté les choix sur Willy Michik. Quand je pose un acte, je regarde les 800 000 qui sont restés à 2500 km d'ici. Est-ce que c'est leur volonté? C'est pourquoi nous avons commencé un combat contre les antivaleurs. Nous avons la mission, nous, de légiférer. Je viens de déposer une proposition de loi, on va en parler, sur la création de l'ordre national de professionnels de ressources humaines. Pourquoi ça? Parce que c'est pas normal ici, c'est un pays jeune. Il y a une loi qui réglemente. On ne peut pas travailler au Congo si on n'a pas la carte de travail. On ne peut pas avoir la carte de travail si on n'est pas résident au Congo. Il y a des Chinois, des Indiens, des Européens, des Américains qui viennent ici, des Africains, des Dingari. Ils font un mois avec un visa de touriste. Ils ouvrent un magasin, ils engagent les gens. Alors, puisque lui ne connaît pas la législation, il ne le paye pas. Le SMIG, salaire minimum garanti ici, c'est 100 dollars. Il paye 30 dollars. Ce n'est pas son problème. Il engage ses frères qui viennent du village et les amène ici à l'avion. On a vu chaque fois ici la DGM renvoyer des Indiens, des Chinois qui sont dans des maisons de 25 ans. Bon, puisqu'il n'y a pas un ordre qui réglemente le secteur. Aujourd'hui, tu ne peux pas être médecin si tu ne fais pas partie de nous, les médecins. Précisément, tu peux avoir ton diplôme. Hein? Précisément proposé. N'a proposé, bon, il n'a lobby. Hein. Puisque parmi les axes prioritaires, il y a chef de l'État, il y a axe de la création de l'emploi. On crée toujours des emplois. Et ça, axe de l'emploi. Puisque Moussala n'est pas tout. Mais est-ce que Moussala n'est pas tout? Mais est-ce que Moussala n'est pas tout? Et ça, il y a permettre de revenir au début du mois.
Est-ce que Moussala Wana et Zali n'a valeur et pas Nayo? Il y a un autre il faut qu'il y ait secteur où on est dans les réglementaires. Et Zali m'a battu à Benga Kaba opérateur ou ma chef du personnel. Débagera comme ça là. Et dans l'État, dans le privé, partout, c'est la même chose. Mais Wana, il faut aller balélo. Ngana Zali, directeur des ressources humaines, Awa, na Congo Biz Télévision. Christian Bosembe, Azala Makamnekuna. Mais Ngana Kotala, est-ce que réellement Naomi est compétente pour l'Ostala Moussala qui est journaliste? Oui. Est-ce que Moussala est journaliste, compétence naïe? À cause de quelle est la saison? Minimum 500 dollars, minimum 1000 dollars. SMIG, les lots, salaire minimum, ça. Puisque Naïe Biloua, il faut Nazalanga, il a un diplôme académique ou expérience avérée dans le secteur de gérer personnel. C'est comme ça que, oh, on est à la caté. Il y a un gros monde, il y a un gros ah, soit je vais congolais. Bah, tu as un matin, tu as 100 dollars. Tu as un déconneur chinois, tu as 30 dollars, 40 dollars. Tu as un ami à moi, tu as un mokanda à mon côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un ordre. Désormais, après promulgation, il y a loi Oyo. Yo, au Koya, au Salawate, au créé, au Misala, ceux qui ont allé répertorier. Il faut dans un numéro. Et ceux qui peuvent aller en Bemba, au retour numéro dans un secteur. C'est comme les médecins, les lois. Au cause de la télé, il faut aussi la reconnaître l'ordre national, il y a un médecin Awa. Attends, aux ministres, aux politiciens, il faut aussi la carte de l'ordre de médecin. C'est comme ça que comme architecte, comme ingénieur, comme infirmier, nous sommes dans le secteur et emploi. On a dit quoi, compassion, vision, il y a tata moukonzi. Parce que Misala, vous avez créé Misala. Mais il faut misala futa. Ozo a misala ozo. Ba futa ou 30 dollars, 50 dollars. Alors que Mibeko, depuis plus de 10 ans, et loba ke salaire awa na Congo, ata moutazo ko kombo la, balabala, ou ba futa ou moins de 100 dollars. D'ailleurs, quand tu l'as vu, il faut ébaguer, et ça n'est pas là. Mais pour nous respecter, il faut dans l'ordre. Vous souhaitez que ça soit combien en termes de salaire minimum? Nous, nous pensons aujourd'hui, oui, avec l'écoute de la vie, le salaire minimum au Congo devrait être au moins de 500 dollars. Puisque le problème, c'est quoi? C'est comme moi, j'ai dit que si ce pays ne marche pas, c'est nous les députés. Puisque nous ne faisons pas, même le travail que l'IGF fait, ce n'est pas un travail que l'IGF fait. L'IGF existe depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, il y a l'inspection générale, je me rappelle les Kazumba, les autres. Mais on n'en parlait pas, pourquoi? Puisqu'il y a eu un homme, ça s'appelle Félix Tshisekedi, qui est venu révaloriser le service de l'État. La mission de l'IGF, conformément à l'ordonnance, l'a créée, n'a jamais changé. C'est la même. Seulement, c'est la volonté des hommes. Or, le travail, là, c'est nous, les contrôles. Honorable. Pourquoi nous, les députés? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes député national, comme moi maintenant. Voyez maintenant, je viens d'initier, je viens de déposer aujourd'hui. Quand je dépose là-bas, tous ces moutons noirs, là, du secteur, cotise Bambongo, baké pas à bureau à président. C'est pourquoi j'étais honoré aujourd'hui par le président Vital Kamerhe qui m'a reçu, qui a dit, collègue, ce projet, j'en fais mien. La session en septembre, il comprend la portée, l'importance. Et il nous a dit, puisqu'après ça, entre parenthèses, il a réuni, on a eu une réunion du caucus des députés du Nord-Kivu. Il nous a dit, moi-même, je suis victime, mais c'est notre chef, c'est la vision. Je ne soutiens pas, j'ai division à ce soutien. Je vous recommande, je vous exhorte même à investir massivement le gouvernement. Je peux dire aujourd'hui, partout au monde, que Vital Kamerhe soutient le gouvernement souminois, quoique lui qui devrait avoir 3-4 ministres, il n'a qu'un seul. C'est ça, être homme d'État. Donc tu te dépasses, toi, tes intérêts, tu regardes les intérêts de la République. Honorable, oui, et c'est un exemple que je demande à d'autres collègues, je ne vais pas citer leur nom ici, les anciens ministres, parce que nous avons des plateformes de députés, ils m'insultent, ils m'attaquent et tout ça, pour suivre l'exemple de Vital Kamerhe, qui n'a qu'un seul ministre dans ce gouvernement, un simple ministre, pas même ministre d'État, là où il devait avoir au moins un ministre d'État, puisqu'il n'a que 32, et au besoin même, compte tenu de son poids politique, et une vice primature. Mais il nous demande, nous, députés du Nord-Kivu, de
soutenir ce gouvernement et de l'investir. D'accord, alors, vous dites que vous allez, on parle de la question de l'Est de la RDC déjà pour conclure, parce qu'on est à la fin. Vous êtes du Nord Kivu. Le Nord Kivu est endeuillé, ça fait 30 ans aujourd'hui. Vous dites que vous allez investir ce gouvernement sans pour autant avoir entendu le projet de gouvernement et ce qui est prévu pour l'Est de la RDC. Mais n'est-ce pas hypothéquer déjà peut-être l'avenir? D'abord, il faut dire que le gouvernement ici ne va pas apporter quelque chose différent de la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a bâti campagne lors de la cérémonie de son investiture. Il nous a parlé des axes prioritaires. Et le gouvernement n'ira pas en dehors de ces six axes. Il y a la question aussi. Il y a la question. Et ici aujourd'hui, il y a une innovation. Oui. C'est la première fois qu'on a une ministre, une première ministre femme. Vous connaissez le cœur de femme. Vous connaissez les compétences de Madame Judith Suminwa. Cela aussi nous rassure. Nous allons faire un débat démocratique. Moi-même, j'ai déjà préparé des questions. Vous allez me voir là-bas, je vais poser des questions. Pour être rassuré que réellement, ce que j'attends de ce gouvernement, ce que le chef de l'État a donné comme axe prioritaire, c'est ça la volonté de ce gouvernement. Mais ce que nous n'avons pas apprécié, c'est qu'un nombre de collègues qui voulaient être ministres, vice-ministres, VPM, puisqu'ils ne l'ont pas été, ont voulu instrumentaliser tout le monde. Et là, l'Alliance Fleuve Congo en a fait son affaire. Nanga a commencé à utiliser certains collègues. Ah non, Bazomone Labino, Tala, Félix Wana, il ne tient pas ses engagements. Oui, nous sommes dans la même famille, non? Les M23, la même chose. Les FCC de Kabila, vous voyez, il a fait ça avec nous, vous aussi. Non! Félix Azali, chef Nabiso. On n'a pas de chef. Ce qui osa contre Félix, au moins, il y a ça, Longwa. Mais personne ne peut faire de chantage contre le chef de l'État. Il n'est pas seulement chef de l'État, il est le chef de la majorité. Si nous sommes là tous aujourd'hui, nous nous reconnaissons à lui. Alors, comment faire le chantage? On ne fait pas le chantage. Mais entre-temps, les fils du Nord Kivu continuent de mourir. Vous continuez de déclarer votre loyauté au président. Ce n'est pas le président qui nous tue. Vous n'êtes pas complice de ce qui se passe là? Non, pas du tout. C'est comme ça que, vous savez, je vais vous dire, dans cette législature, quatrième législature, va rester dans les annales de l'histoire parlementaire de ce pays. Expliquez-nous pourquoi. L'opinion, je préviens déjà les téléspectatrices, les spectateurs qui nous suivent, de ce qui est face à l'opinion est très suivi. Oui. Ne nous jetez pas les pierres quand nous irons en mission parlementaire au Rwanda. C'est prévu. On va aller au Rwanda. Au Rwanda? Au Rwanda, on va aller au Kenya, on va aller au Congrès américain, on va aller à Strasbourg, d'où je viens d'ailleurs moi-même, dans un cadre particulier, au Parlement européen. On va aller au Burundi, partout, pour expliquer, donner un nouveau narratif au conflit. Il faut que nous arrivions à déterminer qui est l'agresseur. C'est l'agresseur. Et ça, c'est le rôle de nous, députés. C'est l'agresseur. Nous devons jouer sur l'opinion aussi des Rwandais. Au lundi, discours, il y a William Ruto dernièrement, aux États-Unis, à l'OBI, problème, il y a RDC, problème, il y a M23. Les problèmes, ils ont à la RDC, en gros, puisque on est en ce bazar. Et Awa, et puis problème, ils ont au Rwanda, ils ont l'Iban. Il y a un na répond d'abord, na l'OBA qui a eu pas na bino, na plateau qui a eu. On m'a donné raison après. Na l'OBA qui a Ruto, wana na ebie. Il est Kalinch, les Kalinch sont les Tutsis du Kenya. Et sa position n'étonne personne. Au moins, même Ndenge Ayamba qui va corner Nanga, les Loyo siègent vraiment à l'Alliance Fleuve Congo, là où le président Bango Yaka, Bilou Bango tout, ce n'est même pas à Kigali, ce n'est pas à Kampala, c'est à Nairobi. Mais Naringi n'a répondu, Yeboye. Nalobi, Boye. Justement, on a dit, il faut que ça diplomatique par terre. Bisso, c'est Koyo. Gouvernement, nous sommes des élus, on n'est pas dénommés, nous sommes des élus du peuple. Quand il y a 80 000 Congolais, tu bengani bango. J'étais content, les lots, on a coquille, on a pu un orchestre. Même là-bas, tous, même ethnie, mais tous les Congolais, ce n'est pas tous comme l'autre, Kagame et tous les Rwandais. Ruto et tous les Congolais, nous avons aussi des tous
Ruto est Tutsi Kenya. Il y a aussi, comme Museveni, il est Tutsi Ougandais. Ici, par exemple, dans la délégation, déjà comme honorable Gisaro, honorable Magui Rwakabumba, qui n'ont jamais été même Rwanda. Magui, je crois, même, ne connaît même pas les Rwandais, Rwakabumba. Elle est Tutsi du Congo. Elle est née et grandie. Toute sa vie, c'est ici. Son père a exercé les fonctions ici. Nous irons avec elle au Rwanda, dans les camps des réfugiés. Ouais. Les gens, quand même, on va les reposer, les 80 000 dans tout le Congo. Il y a Walika, il y a Nabi, il y a Walika, il y a Tokera. Moi, je paie les billets Tokera. Il y a Massis, il y a qui ? Tokomona Kagam va rester avec qui ? Vous allez voir tous ces gens-là, ils n'ont plus d'attache ici. Ils ne connaissent même pas les Congo. Et Tokosala, on a la caméra, il y a un monde. Tokomona, ma collègue, Nabi, il y a un député. Il y a Rwanda. Tokosona Bango Bouit. Tokena Kampala. Tokena Nairobi. Tokena Dar es Salaam. Pour que vérité yébane. Puisque c'est ça le rôle de nous députés. Makamozo Baluka, maman, vacances parlementaires autobandi déjà Moussala. Et le président nous a dit, je vais. D'ailleurs, je vous annonce, semaine prochaine, Toto Kende na conférence sur la francophonie, où on va parler. Toko pesa narratif Nabiso. Le président nous a fait l'honneur d'inclure ma députée à Nord Kivu, na délégation naye, pour que Biso Tolo Bavé. Parce que moi, il y a une vérité. Vous savez. J'ai parlé avec beaucoup de diplomates ici, que je fréquente beaucoup, je suis dans l'Est. Vous savez, mon ex-épouse était ambassadrice de la Grande-Bretagne, ici, dans plusieurs pays africains. Et j'ai facile avec des amis. Quand je leur parle, ils me disent, mais non, ce n'est pas fait que l'exécutif et les autres qu'on voit nous parlent. Mais vous, vous donnez des détails précis, concis, qui changent même leur attitude. Si vous voyez aujourd'hui, les représentants de l'Union Européenne, ambassadeurs, dire clairement, que les minéraux que les Rwandais exportent, ce minéraux de sang, c'est puisque nous l'avons approché. Donc, il faut bien tout ce que je Félix et le gouvernement, non. Chacun d'entre nous a sa la paix, Moussala Naye. Surtout, Honorable Willy Mishiki, émission est ici. Votre mot de la fin pour tout conclure. Depuis un moment, les kaki na étendu ici Kolobake. Guerre à Est, c'est ok. Na kosi là. Depuis wana, situation évolue n'engi ni plus. Na opinion, ils ont l'Obama que côté mususu, la localité Tozui. Côté Nabiso, bah sous bango peut baso ça l'information bango comme quoi baso avancer situation sur terrain zandéen. Bon d'abord au moni les 5 mois oyo et ça que gouvernement exact et pénalisé puis sur ma case. Bah décision mingi ya minene moi ko bet ya ko to ango exact quitter parce que moi le gouvernement exact. Yango tozolo ba que to le kaso tan même nga to moi même les 15 juin dans musika. Il faut gouvernement et maman j'ai dit et bana musala. Yango moi quand j'ai parlé de 3 mois, 4 mois, c'était dans l'espoir que, dans le mois de janvier, on est toujours au gouvernement. Mais, bah, cour constitutionnelle, il y a même un partisan à révisitation, il y a révision constitutionnelle, puisque, bah, le bureau est belé, dysfonctionnement, il est belé, constitution, il y a 18 ans, il y a calé, il faut qu'on t'a bébé, moi, il faut qu'on a changé, bizarre. Et bloqué, Bisson. Mais, les loyaux, je peux vous dire, qu'avec le bureau définitif, avec le gouvernement, ma cambo est changé la terrain. Mais tout le biboy, problème est allé aussi au niveau du commandement et de l'armée. Au commandement, le service mingi est allé au centre. Et pas le président d'Ali, le conseiller militaire, a appelé sa ordre. État-major général a appelé sa ordre. Ministre de la Défense a appelé sa ordre. Non, il faut tout le cas que. Harmonie, Koluka, bah service et par le langage. Biso va député. Vous êtes élu de Walikale Maton Domingo Nzimaiko. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, professeur. Merci Ndeko Dan et merci Nabino Balanti. Tukutani prochainement. Au revoir.